Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous regardez juste derrière ma tête, vous allez comprendre pourquoi nous sommes ici devant le musée du Louvre, parce que nous allons consacrer un Musikzoker à un type épatant, je crois qu'on peut le dire. Il s'appelait Vivant Denon, c'est le pavillon Denon qui porte son nom derrière moi. Pourquoi? Parce qu'il a fondé le musée du Louvre. Mais depuis le siècle de Louis XV jusqu'à l'époque de la Restauration, il meurt à la Restauration, il a 77 ans, il a tout fait. Et ce qu'il a fait était formidablement intéressant. Il a été écrivain, il a été graveur, il a été aquarelliste, il s'est intéressé à la musique, il a été diplomate, il était probablement aussi espion, il s'est intéressé aux femmes, il avait beaucoup de séduction. Bref, il a rencontré les plus grands de ces siècles, de ce siècle qu'il a traversé, de ces époques successives qu'il a traversées. Et c'est à la rencontre de Vivant Denon que nous allons aller. Parce que c'est à la fois l'occasion, le plaisir et l'avantage, comme l'on dit, d'écouter Pierre Rosenberg, qui est, vous le savez, conservateur en chef du patrimoine et président directeur général du Louvre, mais aussi Philippe Solers, philosophe, écrivain, libertin, pourquoi pas, qui lui a consacré une formidable biographie qui se lit comme un roman, depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Et puis c'est aussi, bien sûr, l'occasion d'écouter de la musique, la petite musique et la grande musique, qui furent celles de son siècle. On va rencontrer Haydn, Rameau, Quantz, Johann Quantz, vous savez, ce flûtiste dont nous avions déjà parlé et qui a été redécouvert en tout cas par un flûtiste qui s'appelle Marc Zwilly, qui sera là bien sûr avec l'orchestre de Martin Barral. Mais je vous parlais de musique, alors musique tout de suite.
Rosenberg, nous venons de nous rencontrer, nous sommes au XVIIIe siècle, et je vous dis, je crois que vous avez un ami qui s'appelle Vivant Denon. Parlez-moi de lui, présentez-le-moi, parce que c'est quelqu'un... Ah, c'est un grand ami, c'est un grand ami. C'est d'abord mon prédécesseur à la tête du Louvre. C'est lui qui, au fond, a créé le Louvre de Napoléon et qui a fait que ce musée, qui à l'époque était merveilleux, puisqu'il comprenait également toutes les prises de guerre de Bonaparte et de Napoléon et de la Révolution dans toute l'Europe, c'était un musée qu'on ne reverra jamais, eh bien, c'est lui qui l'a créé, ce musée qui s'y est consacré entièrement. Cet homme, qui est un homme du XVIIIe siècle, a eu la chance de rencontrer Bonaparte en Égypte, de s'entendre merveilleusement avec lui, d'avoir sa confiance et de le convaincre qu'il était l'homme qui ferait de Paris le centre des arts de l'Europe et du Louvre le plus beau musée du monde. Ici même, dans cette pièce, dans cette salle, il a joué un grand rôle. Quelques-uns des antiques de cette pièce proviennent de la collection Borghese qui a été achetée par Napoléon à son beau-frère. À grand prix d'ailleurs. Eh bien, c'est Vivant Denon qui les a installés dans cette pièce qui, comme vous le savez, est due à Jean Goujon. La salle des Cariatides est due à Jean Goujon. C'est une pièce qui a joué Vivant pour Vivant Denon. Nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui, absolument. Et chez vous, mais chez lui aussi. Absolument. Et c'est ce qui est émouvant, c'est que certains des objets qui y sont, y étaient de son temps. Et c'est lui qui les a installés ici en modifiant quelque peu cette pièce, notamment dans la partie haute, qui n'est pas du 16e, mais un peu modifiée par Percier et Fontaine, qui étaient ses architectes.